DJ Stéphane. Oh. Balamwange. Congo ya Lumumba Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane Balamwange. Oh yeah yeah. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Bah, Congolais, vous alliez Beleli qui est en train de nous suivre. Alors, écoutez-nous et suivez-nous avec beaucoup d'attention. Une très bonne nouvelle. Annulation de sanctions. Il y a Conseil de sécurité à Nations Unies parce que c'était un embargo au Bako Isaki Namoto, la République démocratique du Congo. Bissau, nation congolaise. Tokoki Lissousoukosomba Mindou Kité. Là, c'était une décision à Conseil de sécurité. Mais la très bonne nouvelle, Ezaké, la décision vient de tomber. Parce que les Occidentaux, les Américains, en composition à droit de veto à Nations Unies, ne maîtrisaient pas bien la situation en place dans la République démocratique du Congo. Et que le gouvernement congolais, Osomba Mindouki, pour mettre ça à la disposition des Wazalendo qui sont considérés comme des terroristes rebelles résidant au Congo pour aller attaquer au Rwanda. Or, c'est non. Il y a une loi votée au niveau du Parlement congolais, promulguée par le président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. La loi dit quoi? La loi reconnaît les Wazalendo comme des réservistes. Oyo, on peut voir la présence des FARDC. Et de l'autre côté, on peut aussi voir la présence des réservistes des Wazalendo. Donc les Wazalendo aujourd'hui, baza alignés comme des militaires, des soldats congolais. Vous voyez, hein? Alors aujourd'hui, Kosomba Mindouki Libanda, pour mettre ça à la disposition à FARDC, il n'y a pas une différence aussi qu'Ozwa Mindouki qui commettre ça à entre les mains des Wazalendo. Et c'est ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies Banda a comprendre. Bah, ou taï ko koti sabiso tout récemment ici, na embargo, parce que bandai ko maîtrisé affaire te, c'était une démarche de Kagame a rendai ko funda biso. Que tozo somba mindou ki tozo pe sa va wazale, tozo pe sa va faire de si. Ah, wa siko ba leve, ba longoli meziruan. Tozo le belango siko. Vous allez découvrir plusieurs choses. Et togo mekape ko pe sa va précision mambouibele tout au long de cette émission. Et aussi une annonce de taille. Présentement, Corneille Nanga est très malade. Parce qu'il y a une complication au niveau du terrain, au niveau de la base. Je ne sais pas ce que c'est, empoisonnement ou encore c'est quoi. Parce qu'on nous signale aujourd'hui sur place par une société civile. Oeza, au niveau, il y a front, Oeza, pene, pene. Il y a des rebelles au bas à côté de la biseau. Parce que là où se trouvent des rebelles à la M23, il y a aussi la population congolaise. O baza pembeni. Bazo boma population so ba okutate. Il y a une population o baza sur place o bayambi ba M23. Bazo vivre na bango elongo. Mais population na bazo servir biso pe comme canal d'information. Ba ko pesa biso information, ba ko pesa ba wazalendo, ba ko pesa ba FARDC, ba ko pesa pe biso presse congolaise et mais également les autorités qui sont au niveau de Kinshasa. Alors on nous informe l'état de santé des Corneille Nanga que nous allons ici essayer d'exploiter. Et comme on a payé une petite vidéo, tu relaxes à venir à Corneille Nanga, à tenir une conférence de presse, Mazo Kosolamakasi. En pleine conférence de presse, à tousser Makasi. Et si vous voyez la figure de Corneille Nanga, ça montre que Azali n'a pas à 100% sa santé, beaucoup l'andango dans cette émission. Et mais aussi, nous allons parler d'une forte guerre, et ça au niveau de l'IDPS. Les caciques, les cadres de l'IDPS Bako yo kanate. Kabuya Bazali Kotindikae a kende ko rejoindre Ndeko Kabunda Kabund au niveau ya prison Makala. Je ne sais pas s'il y aura une proposition d'un document. Il faut qu'il y ait une assemblée nationale pour lever ba immunité ya Ndeko Augustin Kabuya ba lever ba immunité na ye comme ça ba sambisae a kende pe ko rejoindre ba o bazana prison Makala. To go traiter cette question ici tout au long de cette émission. Alors pour que tout solo la malamu, nazalinga imo kote na yambi ndeko mara bobola. Mbote na yo le combattant d'élite, mara bobola, mbote. Mbote, Jésus en colé.
Nous sommes ensemble. Na pesi mbote na ngai lisusu et pas na le secrétaire général Augustin Kabuya, le monabouté du chef de l'État, toutes les structures du parti, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, les conventions démocratiques du parti, nous avons tous les mouvements formels et informels du parti. Tozali sima ya secrétaire général Nabiso Augustin Kabuya. Tu es bien que ezali na moi matata. Ezali kole kanaka ta parti mais biso toza kunate ezali ba menance ni pepe ya mabe omoni moto na viso ki asali makambo minene mingi zabulu alukaka pona kokitisa mutu wana Yesu Kristo tango sekwisi batu atambo likolo mai zabulu alobi abite trop c'est trop esengeto kitayo ne ba memaki ne kulusu mais awa na IDPS eteni longondo ba simbisie munduki oya zoe ba kobeta yango te c'est un innocent. Il y a un autre qui a été en train de se faire. Il y a un autre qui a été en train de se secrétaire général Augustin Kabuya, pour nous faire un peu de IDPS, Bokonzi na 2028. Et Teni Longondo, Salinini, Kabuya, Salinini, pour makelele les au niveau à IDPS. Mais qu'est-ce qui se passe, Teni Longondo, Kabuya, Bato Bazako, Loba par-ci, par-là, aujourd'hui, IDPS, ils ont vraiment na balabala, IDPS, ils ont l'issue sur la carrière, na ngote à Yamikolo Mileki. Qu'est-ce qui se passe réellement à IDPS? IDPS, ils ont na balabala, te, IDPS, ils ont na nzela, te, IDPS, ils ont l'icolo, nzete, te, IDPS, ils ont l'icolo, ya boato, te, IDPS, ils ont assis. IDPS ezali basé sur toute l'étendue de la République na Kinshasa tout ça ko vanda kimia ezali eteni longondo alobie ke esengeli to restructurer parti to préparer 2028 ça veut dire que eteni longondo pe azal déjà ko devancer ba ambition ya président ya République oyo azali mwana ya IDPS oyo biso to tindaki akende ko représenter biso na magistrature suprême. Voilà, le cola eten longondo. Aza koloba yeke parti ezali mal géré. Yango esengeli to kende ko sala congrès. Est-ce que pona ko sala congrès, il faut kaka message e oute pa na docteur Eten Longondo. Moi je crois que ce n'est pas dans ce sens-là. Biso to ko yiko kende na congrès aussi longtemps que to moni yeke parti na biso to zala ba problème o ezali administration, ezali ba problème ya secrétariat. Oyo za ko nécessité ya ko luka soit ko ya réaménager structuration ya parti. Lokola toza na bato belé, oyo ba kenda ba conseiller na présidence, oyo ba kenda na ba cabinet ba ministre na gouvernement, oyo ba kei na ba assemblée provinciale, oyo ba kenda ba institution provinciale. Bato wana bazala ki ba cadre na niveau ya parti et esengeli peut-être ko kende ko sala congrès pona ko tala ndenge nini to koki ko remplacer bato wana. Et tout ça pona ko sala yango ezo sengela na biso to zala sima ya mutu oyo to moni ke alongoli biso na ba tractation oyo azali gardien du temple oyo azali mutu ya makasi oyo azo batela l'idéologie ya tisekedisme na kati ya IDPS. Yo oza d'accord na Eteni Longondo? Je ne suis pas du tout d'accord avec Eteni Longondo. Ce n'est pas le moment ya ko kende ko senga ko sala congrès. Le congrès il y en aura, mais cette fois-ci nous sommes avec le secrétaire général Augustin Kabuya oyo azali ko gérer parti bien. Moto a géré la partie mabe, moto a zali ko géré partie avec les désordres. Est-ce que tokoyi ko zwa 40 sénateurs si toute l'étendue à République? Oyo nde tolo ba l'IDPS a 40 sénateurs na niveau ya Sénat. Est-ce que tokoki ko bimisa plus de 150 députés nationaux? IDPS est allié. Est-ce que tokoki ko permettre que consultation et salami en tant que formateur tokeyi to zui primati? Mama jidi te soumina abimi na kati ya IDPS. Ça veut dire que Augustin Kabuya, le secrétaire général, et il a aussi travaillé pour que notre gouvernement s'anime et vende. Est-ce que parti ce que Zali géré ma B, ton coquin qu'on gagné 200 députés provinciaux sur toute l'étendue de la République? Je pense que ce n'est pas le moment. Il y a que Lukaku contre ma tractation. Ça, nous pouvons les qualifier comme dit M23 au sein de l'IDPS. Et ton coquin qu'on permette Babilo Goyaboete. Ba combattant Nyonso,
lobi tozaki na matiné politique CG a passé message na ye biso toyambi yango ba fédération nyonso bazali sima secrétaire général ba sectionnaire ba président cellulaire biso nyonso ba mouvement et association moi d'ailleurs oyebi nazali grand combattant ya IDPS na territoire ya Bujala na province ya Sidi Ubangi nazaki na contact na ba fédéraux na biso ya territoire ya Libenge territoire ya Bujala territoire ya Kungu territoire ya Gemena chef lieu ya Gemena ba yebi singai yebi sa CG azala kimia dans la province de Sidi Ubangi IDPS il y a pas de problème nous le soutenons mais CG azala kimia pour nani parce que aujourd'hui c'est Augustin Kabuya qui gère les partis au quotidien. Aujourd'hui, c'est lui le numéro 1 du parti. Na habité ceux qui n'ont lobby mabé au komeka correctifier ngai. Mais tout moni na kati ya IDPS. Ba tout o bazo gérer ba ministère, bazo gérer ba entreprise publique ba bimi na IDPS. Bangonde baza maboko milai, bangonde baza na détournement. O tu kotanga kombo eteni longondo azaki ministre ako ya santé publique. À l'époque to aki na pandémie ya coronavirus, mbongo ebunga ya coronavirus. Et Augustin Kabuya alanda eteni longondo ti na prison ya makala nde simanango ya kakobima. Lelo tomoni ndeko musu ya IDPS a Nicolas Kazadi. A ibimbonga ba lampadere, a ibimbonga ba ya ba foraja pa ake maladi na France. Me ba examine ye, atangu ngimonga tikala yiko suya na kisasati. Do tomoni na kati ya IDPS, moto oyo Kabuya zali kutimba aliko alinye. To aliko mona ke IDPS azana reseta malamu wako propose na Respublika te. IDPS tozana reseta ya malamu. La première reseta c'est le chef de l'État. La première recette, oui, c'est le chef de l'État. Ça va, c'est bon. Comme la makambo ya kobana ko dénoncer ko kanga bato ba ko yiba mbongo. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un o ya zana vision. Bokangi eteni, Bokangi Nicolas Kazadi. Bokanga eteni ya kota na prison abima. CG akendaka ti ko accompagner. Bokangi Kabunde ti le la zana prison à Salini. Non. Kabunde avec beaucoup de respect, oyo ngana ko pese le ko la kulutu nga quelqu'un qui a aussi à travailler na niveau ya parti, mais Kabunde a sala ki diffamation. Kabunde a sali propagation de faux bruit, ce qui constituait des infractions normales. Oye, ça la qui est interpellé, ba sambisye, le ministère public, la justice a trouvé bon que a kende na prison. Mais ce que Eteni est en train de réclamer aujourd'hui, est-ce que Mbongo Eteni a idwa ngo na kati ya, ya ministère ya santé makambo ya COVID? Est-ce que Mbongo a la soki ba lobi ba lande la? Lelo Eteni a rozonga lissou na prison te. Soki lelo yo ba lobi eke, voilà, justice a se prenye lissou na dossier ya Eteni. A kolobake komi acharnement et kobi make loko la komi go attaquer CG ne yango batini batwa kangai non ali de pes nous sommes tous derrière la vision chef de l'État et nous sommes tous derrière la deuxième personnalité du parti qui gère les partis, c'est le secrétaire général Augustin Kabuya. Nous ne pouvons pas aller à double vitesse ou bien naba figure moko ezali je peux dire de manière moko ezali à malamute Nicolas Kazadi Oyebi CG Azamut onga na yebi azaka très honnête. Le secrétaire général depuis que je suis à l'IDPS na monana no secrétaire général yabote azali très clair na ba propos na ça je vous dis la vérité. Et c'est les gardiens du temple. Lelo oyo na ba problème tozala ngona IDPS. Soki tozaki na moto loko la secrétaire général Augustin Kabuya te IDPS ngai kabala même à 10 000 morceaux. Mais comme le CG est là azo sala musala na yebi sur ce que nous avons moissonné pendant les élections. Et awa, bazali ko lukaba recommandé ba combattant na niveau ya ba cabinet. Musala o Jacques Chabana sala asala katanga zalaka CG. Musala Kabunda sala katanga zalaka CG. Musala Mubaki asala tanga zalaka CG. Musala Masamba asala katanga zalaka CG. Musala ba CG no so ba sala katanga ba ka ba CG PNP na papa Etienne. Na musala o Kabuya za ko sala lelo o azo permettre na katanga kuna kiabula abimisela biso 10 ministres na 10 conseillers spéciaux awa na kisasa Daniel Bumba abimisela biso 10 ministres na 10 conseillers spéciaux oyo libeko li konji et telemeli yango Jacquemain Chabani aloba alobate Kabuya ali ko encourager bana naye parce que le meilleur za ko na simandako le CG Kabuya n'encourage ni les même pas tous ces combattants et les cadres de l'IDPS oyo ba keina niveau ya ba institution de la République pour na ko gérer mboka baza ko représenter chef de l'État na ba plan na ba place wana le CG l'a dit hier azali ni de près ni de loin derrière ba nomination ya ba député ba excusez-moi ba ministre provincial na ba commissaire comment quelqu'un qui est élu gouverneur de la province et que tant oyaza ko sa la formation na ye ya gouvernement na ye provincial. Est-ce qu'il est important que le secrétaire général a ben a un téléphone à Ebisaye qui dit tiens moto, place telle? Non.
place oyo batu bazalaka, je l'ai toujours dit, il ne manque jamais de quoi. Mais l'autre ezali important, ezali que Moussala oyo secrétaire général Augustin Kabuya Zakusala jusqu'à présent na niveau ya IDPS na biso ezali Moussala ya malamu. Biso ba combattant, biso ba cadre ba communicateur ya IDPS ba structure nyonso. Tout le monde que jusqu'à présent, ils ont attaché mon côté au Yotoko qui peut permettre que CG balongo le bâti à Moutoumoussou. Dis-moi en ce moment, le col a été Niazali. Azala éternel. Non. Nous n'avons pas dit que CG Azala éternel. Yé mon kokoutou. Mara Bobo. Yé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nganga Moussou Maël Azatako a remplacé Nani. Nganga Maël et Soki Akozala Azela Tana et Koka Akura. Moi, je commence à donner raison à Yakwenda. Ça veut dire quoi? Oui, je le connais, je connais bien Papa Wakwenda. Ozana maloba. Na hebi Papa Wakwenda. Mais nana kotsaka ya boloko. Non, le CG a kangisa Wakwenda. Te kana tuni nana kotsaka ya. Wakwenda banai ko sala propagation ya faux bruit. Wakwenda avait empiété les chemins aussi que Kabunda avait empiété. Ça veut dire que la justice fallait pas se saisir dans dossier, baluka moya ko interroger qu'est-ce qu'il y a. L'IDP c'était grand parti politique. Tozana ba combattant, toza parti des masses. Ba propos na yozo tenir, ça peut soulever les gens. Est-ce que ceux qui battent leur combattant battent moi qui ou qu'on a la capacité de maîtriser battouana? Raison pour laquelle la justice oh y'a zala qui à travers y a à propos y'a ou qu'on a bah qu'on a maîtriser et donc bah propos oh y'a ezali y'a éteni. Oui, nous avons besoin de voir notre parti se développer, nous avons besoin de voir notre parti se restructurer, nous avons besoin de voir notre parti d'aller encore plus loin. Awa secrétaire général aouté kozala na mouvement au babengi ba mouvement ya ba parti socialiste, nous sommes parmi la présidence de ces mouvements ezali na occasion ya secrétaire général Augustin Kabuya lelo oyo parti ezali ko gérer ndenge za ko gérer mewana ndenge za ko kende to lingi makelele te tozali focus pona makambo ya guerre ya est, toza focus pona kuluka kusili sanzala na mboka, toza focus pona ko accompagner chef de l'état ndenge ya ko kende liboso eteni soki ezali na ba agenda caché na ye. Il est en perte de vitesse, Aluka ndenge ni ako luka CG ba luka ba solola ba permettre climer kota le mouvement du parti tozali kimia sima ya secrétaire général Augustin Kabuya on a pécié mote mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Alors, Mara Bobola a parlé de son parti, il a défendu son secrétaire général. Bon, c'est les avis restent partagés à ce niveau-là. Alors, Ndeko Mara Bobola, parlons maintenant de la situation. Yes, la République démocratique du Congo. Oui. Bisomi Balé et Longona Basour Samaka Stozanango, de Mekaki ko lobela dossier Oyo et Mekaki un peu ko bouger la classe politique congolaise et aussi dans la milieu sécurité et la milieu militaire parce que Teokaki embargo moko zaki en gestation pour nakoya ko koisa makasi ya ba FARDC makasi pe ya ba fort Oyo gouvernement congolais et zali ko entreprendre tous ces derniers temps. Balobike il faut tozonga na régime wana information embargo toko somba ce mindu kité parce que mindu ki nyonso oyo mokonza mboka tiseke da ko somba ako kabila ba wazalendo o bazali ba terroriste azako kabila ba mba FDLR o bali ko kinde ko sala mobulu na est na est ou encore na ba frontière ya Rwanda na Uganda. Alors aujourd'hui balobi ke non le conseil de sécurité ezongi sima na décision na yango batiki République démocratique du Congo na gouvernement nae akoki ko somba minduki mais ba poser aussi certaines conditions minduki nyonso oyo République démocratique du Congo ko somba ba retrouver ba marque na ba qualité parce que lelo soki to sombi minduki nyonso ezalaka sur papier ba modèle ba marque ba numéro ya minduki oyo nyonso doit ko somba et il y aura une commission ya conseil de sécurité des Nations Unies et koya ko vérifier ba modèle à minduki wana ce qui ba kuti yango na maboko ba wazalendo là on va définitivement nous sanctionner dans le conseil de sécurité lobby biso République démocratique du Congo to somba minduki mais ba kuta marque ya minduki wana et pa ba wazalendo te. Donc on commence maintenant à nous imposer notre style de sécurité et notre style aussi de gestion et de stratégie sur place sur terrain. D'abord je tenais d'abord à féliciter le travail qu'a bâti je crois que le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, et puis dans le domaine de l'État, le Conseil national de la sécurité, dans Moussala Basali, pour nous moyen, il y a le Conseil de sécurité, et dans le gouvernement congolais, pour nous moyen, il y a ce qu'on appelle la précision des tailles par rapport au dossier où il y a embargo.
Moi, personnellement, la fois passée, tant au Tursula qui m'a Kamaruna yo awa, je crois que na mekai ko mettre inquiétude na ngai. On a loba que ekozala malamu te pour la communauté internationale et pour certains pays, pour certaines nations au bazali indépendantes, au bazali souveraines, bam ko 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 la République démocratique du Congo a été victime. Il y a campagne, il y a diabolisation et puis il y a stoppé processus où ils allaient à Koluka Kosili sa guerre. Na niveau ya est, il y a République démocratique du Congo. Na côté les Melaka, la République démocratique du Congo pour na Koluka ya Kozwa ba Minduki. Parce que embargo na balinga ba zone sa yango, ils allaient qui pona. Problème il y a transport, il y a Minduki. Problème il y a déplacement nango. Ça veut dire que Congo te quoi qu'on soit ma ben Minduki. Vous achetez les armes, par exemple, je sais pas moi, à l'Ukraine, aux États-Unis, en France et tout. Mais pour que Mindouki ait le mois place, il va sombi. Et il y a na mabili na bino. Et que ça la difficile. La fois passée, quand vous avez une bonne mémoire, au commun, la République démocratique du Congo, tout somba ka Mindouki moko boué. Alors, tant que comme qui na France, avion, et bandai koumé ma Mindouki na biso. Si j'ai encore une bonne mémoire, par mes kaki koukang avion ana. Pour la nini, tous à la qui n'a embargo, ou y'a bandé ko télé melabiso, ko peki sabiso, transport, y'a ba mindou ki nabiso. Loko la basu précision. Moi je crois que Ezali, Moussalamoko ya malamu, ou y'a conseiller à chef de l'État en matière de sécurité à Sali, et puis dans le gouvernement, y'a mama Jili Tesumina, tous au monde la que ça donne déjà quelque chose de bien. Mais elo ko monsieur Zopé sabiso pas Ezali. D'un côté, bazali ko leve ba mezi, de l'autre côté, bazali ko nyata bouton, bazali ko beta sete, bazali ko kwanza biso, bazali ko pousa biso, ko tindika biso, ko kende ko kwea na libulu. Eza loko la mouto yoyo, amati so li kola nzete, pou mwona evelema mwoko place zo leka. Me en même temps, même mouto wana azu babe nga katronsonese, azo kata nzete place yo telemi sans le savoir. C'est ce que fait la communauté internationale, et puis certains pays o bazali complice, pou na ko telemi la stabilité, oyo ezali na niveau ya este. Na sens nini, comment bino boko kende ko lobake, tu pèsi bin autorisation pour somba Mindouki. Mais tu lingite tout monde là-bas même marque à Mindouki, na ba numéro à Mindouki wana na maboko ba wazalindo. Aussi le temps que constitution na biso ezo pèsa moto yo son dingisa ya côté les mela o ya ko ya côté les mela mboka na biso. Ça veut dire que moi marabo bola ndenga na zabo soki na lokoti Mindouki na moni ennemi lokola M23 na lobe ke na komi wazalendo na bindisa ye communauté internationale a quoi écouter le ménage de quoi bon. Je crois que Ezali deux poids, deux mesures. On souffle du chaud et du froid. Ezali le goyama la mouté. Bamindou qui OM23 Azakozoango. Les éléments du M23. Parce que c'est un mouvement rebelle. Où ils ont soutenu dans Rwanda. Est-ce que Mindou qui Oyo M23 a utilisé? Ce qui totali ango, Mindou qui Oyo Wilingo Masimaka, Mindou qui Oyo Berta Bisuma Simaka, Mindou qui Oyo Batuya AFC à Corneille Nanga Bazako Simba. Est-ce que communauté internationale, conseil de sécurité réellement, a sali la notification à Pessi Bamba Souma Mindou qui? Parce que pas on retrouver en côté achat ya Mindouki et ça la maraloko la matembele na pundu na winza gambelati. Voilà. Ko somba Mindouki et ça lokola qui si oyo docteur a salé l'ordonnance. Oye na pharmacie nde opé sur ordonnance ba pé sur Mindouki. Mindouki ba teka kayango eza na ba procédure processus normal oyo structuré balandaka. Olandi procédure olandi procédure oyo ba notification ye autorisation ye nde ba pé sur Mindouki oyé pour exploiter yango. Et utilisation nango sur terrain eza peine inspection mo resala marana se wana. Alors aujourd'hui posons-nous la question de savoir les M23 ce sont des terroristes rebelles. Au même titre avec les RDF et les AFC à Nang. Procédure et acquisition à Mindouki na bango et salamaka ndenge nini. Et aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo, le kola toza autonome et indépendant, toko somba Mindouki na procédure normale, tu as copé c'est yango ba civil ba wazalendo ba utiliser yango ba traquer ba groupe rebelle. Est-ce que constitutionnellement parlant, d'une manière aussi internationale et officiellement parlant, ESA autorisé Amérique et Somi Mindou qui est passé dans la civile, dans la guerre en Irak. Israël et Somi Mindou qui est passé la population à Israël, qui est la guerre en Palestine, selon la procédure normale. Est-ce que c'est ça la mabon? Parce que Bissot Babo, il te fait sa voisine de Mindou. Là, c'est pour affaiblir la République démocratique du Congo. C'est pour vraiment affaiblir la République démocratique du Congo et c'est pour permettre la création d'un boulevard, d'un couloir qui va permettre à ce que nous puissions avoir ce qu'on appelle la balkanisation.
oyo ba bengi eloko ya ko aswa déstabilisation na niveau ya Est de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas d'avis et je ne pense pas qu'un gouvernement sérieux, un gouvernement des responsables qui veulent assez que les choses se fassent de la manière la plus responsable, la plus sérieuse, peut acheter des armes et remettre ça entre les mains de la population et afin d'aller barrer la route, je ne sais pas moi, à un pays, à un coq, que ça se soit. Mais au moins, tout le monde a un principe où ils allaient normal, il y a Nati. La Nati nous assure que lorsque Moutouna yo, ils allaient comme ça, la passe. Mouté manayo et signé la capacité à supporter douleur au moutou à Zanango. Tant que mino na yo et ça la passe, Jésus en collé. Yeba kaye ke ma colonna yo fait la capacité à même en zot dans l'hôpital. Et c'est ce que font les Wazalendo. Aujourd'hui, notre pays est agressé. Le Kenya est contre nous. L'Ouganda est contre nous. L'Ouganda et le Kenya bazali sima ya Rwanda baza ko soutenir. Le Rwanda et l'Ouganda na Kenya bazali ko pesa mindu ki e pa na ba M23. Et les éléments du M23 baza soutenir de manière indéfectible pour na ko luka ko avancer ya ko kende ko kanga toute une province. Bazali ko violer principe ya intangibilité ya frontière na ya souveraineté na biso. Ça veut dire pour la communauté internationale, pour les conseils de sécurité, lorsque les M23 avancent et ils sont tout à fait tranquilles. Bazoumé na ba Champagne, bazoumé na Kagame, ah comment? Vous allez là-bas, aujourd'hui vous avez récupéré quel territoire? C'est comment avec Ndanga, mais ils n'avancent pas jusqu'à présent. C'est ça la réalité. Mais lorsque bazoumé comment on a dit que non, les éléments du M23, ils sont traqués, bazoumé na Minduki, les FRDC, bazoumé récupérer ba territoire, ils sont mal à l'aise. C'est ça l'analyse de pour ça là. Parce qu'on ne peut pas empêcher quiconque dans son territoire y a quelqu'un qui défendre ma belle naïe. Même en ayant dans le bana émission Oyo et yindi place to zawa naza capable à poser un micro y a pour bunda se protéger. Ma belle naïe ezali droit y a ultime défense. Et ce que font les Wazalendo c'est tout à fait normal. Mais poser un micro qui de manière officielle ba pèse à Wazalendo ça ce n'est pas du tout une bonne chose. Nous sommes pas en rébellion. Tshisekedi n'est pas un dictateur. C'est Mouzé qui avait déclaré que Sengeli tous ont ma flèche, tous ont ma javelon, tous ont ma banga pour nous tenir mais la banguna. Parce qu'il y a mona qui a déjà que les accords dans ça là qui n'a bandoki, baza ko linga ko ya ko renverser nga. Aujourd'hui tous a comme on a ministère de la défense n'engue vendi papa moi j'invite à la PC mbote n'engue za ko ça musala. Kulu tunanga Jean-Pierre Bemba sali musala place à Suki papa wa j'invite à ko avancer n'engue za ko avancer. Chef de l'État commandant suprême tous a ko avancer. Tous les Congolais, nous sommes debout, nous sommes assidus, nous sommes tellement violents pour nous faire que si les habitants. Jésus en collé, je vais te dire encore sur ce plateau. Si le Rwanda continue, tu as un compte en Rwanda. Le col a bissé, mais je vais te dire. Si le Rwanda continue, Jésus en collé. À l'époque de Bounagana, si le Rwanda continue, nous allons entrer là-bas. Rwanda, ce qui est en train de Kiwanja kuta kabeli yango nani Corneille Nanga. Ono soko avance li susu. Jésus en collé. Ayeti na sake akatake bino na bakande déplacer na Mungunga. Olobelo kote. Lelo azuka na bayo mala kulumba. Le soki Rwanda sali mais le Rwanda avance. Bino bozo promettre toujours. Nous avons besoin de passer à l'axe. Koyo kayo koloba. La force de l'IDPS. Non non, la force de l'IDPS c'est parler. Singe total ayo bien. Naevi sakayo singe total ayo bien. Na elongino o soto la ndeli obe ozamu nganga bwala. Ba Congolais ba dit que c'est un Congolais de père et hey, c'est totalement bien. Comment on va que bazimbo ka bakabeli na. Oyoka komba Jésus na Rwanda. Jésus. Oyoka komba yankole na Rwanda. Jésus Kagame. Yo za su Jésus yankole te. Yankole wana lokota ngota ngota ko mikenge yawa. Obibo na ko na ko ta de ki sasa ndena zo ko mo yankole. Problème ça. Ça veut dire que isa isengote pour na biso ndenge tuza koyoka bazui ka yamba yonga bazui ruchuru. Non non, bazui tel territoire, bazui telle localité. La réaction c'est pour quand? Ils ont ça la toujours. La réaction c'est pour quand? Non mais écoutez, les Fardis c'est... Quittons les promesses. Mais non. Quittons les promesses. Poutine qui a commencé la guerre avec l'Ukraine. Tout le monde pensait que l'Ukraine va tomber. L'ensemble du territoire ukrainien qu'il y a le même jour. Mais jusqu'à aujourd'hui ça continue. Bitumba est un mystique Jésus en colère. Moto quand ça qu'il y a une facilité. Bitumba est un paiement. Il y a un moni père à son âme. Comédien n'a pas besoin pour lui, la va bibi tout mesa paiement. Souvent, il y a bandé là. Dans l'ingate. Bitou mesa paiement. Au moins, t'es kagame à zo, mais la paiement. Depuis à bandaki. Depuis kagame à bandi makambo. Yo moni a zo avancé. A zo, mais la paiement. Sous Kabila, ils ont attaqué la province du Nord. Kivu. Dans moins d'un mois de deux mois,
Bakota qui déjà nani na Bunagana. Et ils ont récupéré Bunagana pendant 2 ans et demi. C'était sous Kabila. Ce n'est pas une quelque chose de nouvel. Tozo beta toloté à chaque fois que ma territoire na biso ezala ka occupé na ba rebelle. Ce n'est pas un honneur pour nous. C'est un honneur. Ils ont ça la biso passé. Mais qu'est-ce qui fait que ba salao? C'est la complicité de la communauté internationale. Vous pensez vraiment que si le Rwanda était le Rwanda seul, Aza soutenu par la Pologne, par la France, par certains pays de la communauté internationale, pensez-vous vraiment que le Rwanda a une capacité à vous même émettre sur le sol congolais? Nazo mona na sima ya Rwanda wana ka ba militaire ya mwindo na mwindo na mwindo ba militaire pe. Non, écoutez. Bao ba kota ki na kania ba yonga ba zaika ya mwindo na sima na yo to sa l'émission et l'on est à sima na yo. Caméra est à liboso na biso et zo mona. Ba to ba ola na émission ba zo mona ngo. Bao mona ka yo la ti chemise à pembe, nga la ti drapeau ya IDPS na munyere na ngai pona mémoire ya papa Etienne Tshisekedi. Oyo busa za ko finga tongo midi pourquoi mais caméra ezali bosona biso ba mona ngote et c'est ce qui se passe dans la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, la Pologne, la France, tous ces pays là ba yebi ke Tshisekedi oyo mwana ya Etienne Tshisekedi na ba rigueur ya tata na ya zaki nango na oya ye moko to kozoyelo kote. Est-ce que ya tata na ezali kolo ya mwana? C'est ça aussi le problème. Mais l'état de droit ndenge lelo bazo kanga bato, vous pensez que ça pamba? Tu sais qu'il était en train de travailler pour honorer la mémoire de son papa. Bakangi nani. Et tel le monde a zone ngauti a yiki yiki mais go le katen à niveau ya parti. A kotara prison. Willy Bakonga kotara prison. Kabundi yewa un fils de l'île de Pes. Le lo azana prison. Batu ibele. Kamere. Attendez ngazana Canada. Moni makambu yo mozo milukela. Ya nini? Kamere bakangaki po na mbongo no. Nde siko. Abima kimbongo bazongisaki. Ah mais nde za bidongo. Ko pesa biso compte bancaire bazongisela rambongo. Te bazongisa mbongo. Eteni pe bakangaka yi. Est-ce que bazongisa mbongo? Mais abima. La justice est indépendante. Bakangaye na mbongo ya gratuité ya enseignement. Akima kuna valise mo na Congo Brazzaville passe bazuela ki. Est-ce que mbongo wana bazongisa? Mbongo ezongate mais c'est blessé za na régime fondima. Écoutez, le président de la République plus honnête. C'est la première fois que tu vois un président ou Azali plus honnête et plus sérieux. Alors bien que justice congolaise est malade. Il y a un maladie dans le monde. Une maladie dans le monde. Il y a un peu de détournement. Et c'est un peu de temps. Magistrat suprême, il y a un gouverneur ou bien président? Non, magistrat suprême, c'est le chef de l'État. Il y a un gouverneur ou bien président? Il y a un premier ministre. Il y a un président de la République. Il y a un magistrat suprême. Autorité de l'indépendance supérieure, c'est lui. Il y a des magistrats suprêmes. Au nom du président de la République. Alors, le problème c'est qui? Le problème c'est au niveau y a arsenal judiciaire. Ba koki koya ba kangio Jésus en colé. Au violé. Té yo koko violé té. Yo makamba ba souza ka très serré ndenge na yebio. Ozana mama na bana bana ndako yo kuta no zala raté. Soza ki mutu musa ina ninga na beta yelo kwana. O koki koyi ba mbongo yibi caméra awa. Ba memi on a tribunal. Ba la manga lobi ce monsieur a pi volé ma caméra. Tant qu'on va s'ambitionner, mais justice ou en négociant, est-ce que le président de la République, il faut avoir un téléphone, a bien un magistrat, a bien un juge, a s'interférer dans le dossier? Non. A tiki justice, c'est ça, Moussa Nango. Mais tant qu'on justice, c'est ça, Moussa Nango. Il ne peut que dénoncer la. Comment on appelle ça? Les magouilles. Le ministre actuel, il y a justice, Constant Moutambala, je crois que ça s'annonce déjà bien avec le travail qu'il est en train de faire. Ouais, le bien que désormais. Bakangio o avocat, o juge, o magistrat, na katia ba sale dossier, ya ko yiba ka bambongo, ko sa ka ba faux document, ba na evite so ki ndenge nini, ba zui état de droit et komi le kola shida na bango. Même iso ba combattant o zonga sima, les magistrats, les juges aujourd'hui, certains magistrats seraient en train de réjouir de l'état de droit pour epesi bango kop, kop nini, moutoye na dossier, bakangi, ba côté prison ya ba million ba bi bon mwana mai cop wana ndenge za wana yo zu ba million cop na pa na biso za wana kotana nou to ye ba neto obimisa yo a côté pe bon moni penda ya population a sepeli. Mais quelle est la finalité de ces procès? O ko ka ono mutu azobela a kei poto ndenge Nicolas a kei wana ba vérifier atangungi ya pa malaria Nicolas za ngote biso to zongi sima yo zu da ba information ya kuna ya France soki ya bela ki me ba la ki se l'hôpital place à la lit. Moto aza ke na diligence so ko komi na hôpital il faut ba zoyo ba tio tonga ba lai sur l'hôpital image ke yo so moni depuis nga ke ata image à hôpital a pa ma yo moni an bo so ra boy ne ko tia na réseaux sociaux atia na réseaux sociaux te ego bimara ça veut dire que eza on erte pour na biso lelo oyo justice na biso eza justice eza malade
président Lobaki Ango, sans nous en sommes, excusez-moi, nous sommes tellement conscients, nous sommes tellement témoins. Et bah tu vois ça que bon magistrat les loyaux et ça certains magistrats oyoyo bah banda qui déjà que ça là bah faux dossier bah faux document et ça ne nous honore pas. Frère Branham à l'oba qui est que la justice élèvera toujours une nation. Sans la justice les États-Unis ne seront pas les États-Unis et sans la justice un peuple américain à vous allez jamais puissant. Et là que tombe et tombole ici États-Unis ils allient justice mais t'as la bise sur le justice. Moto akéi maman a couffé la mobali, a kei ba botole le pango, soit disant na homme d'affaires, soit disant na moutou mokaza na mbongo bele, aza na ba influence, a kei a fondi dossier, ba bengi di, nan aza na dossier wana, ba zui dossier, di, monsieur, oyebi dossier wana oza ko sali sango, na yebi si yo, il faut arrêter avec cette aventure, magistrat yo ki sima, a pi a zongi sima. Na yebi saka yo ke ngay na zaka na dossier moko na justice, e zaka ya passeport, na époque ya Kabila. Maman wana na pesa imbongo wase langa passeport. Ou ebi ka kongo denge zalaka. A selinga passeport, pesa passeport, e komi kota bozonga bobima, ou bazwa mbongo balia. Na kenda na parke andili, eza evenema onga na viva. Na fundi dossier. Ba kenda bazwa mama, ba komi sa ye na parke. Mama wana ayiba na ki na PGR à l'époque. Magistrat ba yeko benga magistrat, na telephone e pa na PGR. Magistrat, aza ki instruit e pa na PGR. Alobie ke, petit na ngay. Dossier n'est pas bon, na minute oyo moyen tout ça le traitement exacte na zui instruction et pas na numéro 1 ngai alobi na bimisa mama oyo akende dossier non n'est pas bon okoluka osala effort ba repesso passeport na yo o voyage ke ndengo lingo voyager Jésus en colle je t'ai dit depuis mon corona na lobake ke esengeli na biso ide pes tozo abokonzi pona kozongi sa justice na biso oyo yo ezaya kokufa elelo tozo wapi. Lelo, quand même, c'est un honneur pour moi que pour la première fois dans l'histoire politique, économique et judiciaire de notre pays, tout le monde a caillé que ce qui était des intouchables, bah, oh, bah, qui quoi, bah, puissance humanitaire, bah, puissance, bah, personnellement, bah, quoi, toucher, bah, noter, lelo, bah, toucher, bah, go, lelo, justice, a commis qu'au benga moutouignon, so, et commis qu'à so, bah, au sali problème, bah, bengion a parquet, IG Fazar ou ça, moussala, c'était pas d'avance. Oya koya stigmatise kedi, peut-être akoba nako trake ba tuana. Ba oyo ba kangaki bango na justice, ba oyo yo, ba zongi sambongo te. Oko sutuka yeke, kamere alaba, mbongo ya 100 jours ezawa. Ah, yego makambo isi la kate ndengeni. Obi ke ba dosye mse da rabongo wa. 20 ans après. Bolali bo la mouki bo telephone de sonne. Allo, vie. Nenge zawa, to isi kozwa, konvokasyon wa. Oh, dossier nini. Oh, il y a parquet. Réseau social, vous me la raté. Et bien, nous pensons. Kamere Lissou à la barre. Eteni Longondo. Tigano Makamba Kabuya à la barre. Willy Bakonga à la barre. Bon, Basambi Sarabino déjà. Hein. Mais Bambongo, Basambi Sarabino. Ezawap. Et comme il y a un allez, le pan, on a Ezawap dans la Miami. Batindi ministère public. Kenekuna. Basézi. On va teki en vente publique. Bazumba, on a Eye Awa. Batonga école ya mumbele bana batanga na ba condition ya bien Jésus ya nkole ba pesa ben bongo totonga banzela na territoire ya Bujala totonga ba route nationale numéro 1 ba route nationale numéro 3 to pesa e FARDC minduki bazo ape bongo na pourquoi papa tiango pe na lopa to organiser pe coupe du monde. Très bien, alors tokele na dernière thématique na biso lelo nous parlons sur la déstabilisation et la chute de la santé de Corneille Nanga qui est gravement et sérieusement malade. Je ne sais pas s'il y a une circulation d'empoisonnement dans ses milliers AFC M23 parce que Corneille Nanga, je voyais sa santé lorsqu'il était président de la commission électorale nationale indépendante ici au Congo. Il était tout fait tout flamme, il était à 100% costaud, mais je vois de vidéos ici, c'est parce que le président national et c'est ça que le président Christian Bosembe nous a dit un peu de mettre l'eau dans le vin, de diffuser mingi ba ba image y a ba terroriste, y a ba étranger té au bazar sur place au niveau est la République démocratique du Congo. Ma Corneille Nanga est sérieusement et gravement malade. Je ne sais pas s'il est empoisonné, si encore il y a des querelles entre Nanga, il y a un conflit de pouvoir entre Nanga et Bertrand Bissimwa ou encore le porte-parole Willy Ngoma. Est-ce qu'aujourd'hui Nanga a raté son cible ou encore Nanga n'avait pas une très bonne vision de traverser vers le Rwanda ou encore il a fallu continuer avec son parti politique ou il voit qu'il déjà
autorisation de fonctionnement au niveau du ministère intérieur à Kinshasa. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de Nanga, parlez-nous de ses erreurs, de ses fautes. Aujourd'hui, Nanga est aussi cité parmi les éléments, les acteurs qui sont ensemble avec Kabila, avec Kigali, avec ceux qui ont besoin de déstabiliser les Congos, de morceler, de quoi encore, de balkaniser les Congos. Aujourd'hui, la santé de Nanga n'est pas au top. Bon, d'abord, je crois qu'il est aussi constitutionnel et aussi biblique parce que la vie humaine est sacrée. Donc, on quitte Kobeta Tolo, na Mabe, ou Yokomeli Moto, na niveau de la santé. Et même un président de la République, je crois que c'est un homme pacifique, c'est un homme bien, c'est un homme plein de bonnes qualités, ou tout le monde a rangé déjà même naïe. Mais, Ngaï, mon colonel, Yokake, qui connaît Nanga, a commis rebelle. Na mekaki kozwa image ya be malumalu na mekaki mpe ko comparer ango na réalité ya makamuza ko lekana est na bosembo penza na mekaki mpe ko lobaye ke est ce kulutu na ngai a réfléchissa ki malam avant ki asala biloko oyo omoni to koti na culture ya poison na mboka na biso le congolais en général toza na culture ya poison. Culture à poison, ils allient culture à nilotique. Bandeko, ils vont dans moi est, bon bah outa, Rwanda et puis Babilo, Rwanda, bah on est bah cotisant on a beau cannabiso. Ce qu'on crée, bah partignon, ils allient à ouest la République démocratique du Congo. Tout ça la culture à poison, t'es. Et c'est Nambujimai. Nana wa poisonner Jésus à Paul. Nambujimai. N'avant d'y trop na Congo central, na matadi na boma na Mwanda kuna poison zate. Dis-moi, net na game et pas na biso. Na boujale pa la kulutu na ngai Jean Lisse Boussa. Et pa la ba Roger le combattant. Nana wa poisoné yo. Ikouta na no wapi. Tu yiba ki biloko wana ta. Mais ekoti ndenge nini. C'est parce que mouze tango ba yena biloko na bango ya Afdel. Ces gens-là ont venu avec ça. Poison ezala ki biloko ya ba acteur politique ba kunja likolo entre eux. On veut éliminer peut-être quelqu'un. Bon, si on la bat par l'armée et tout, et vous allez le malamouté, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut la battre minutieusement et puis de manière discrète. C'était ça. Mais le Oyo, ce qui est à solo, que non Kulutu, qu'on est Inanga, Oyo a continué à banzela wana. Moi, je crois que Yemoko Azani, responsable, il y a un acte à Pozaki, et les conséquences sont là. Alors, comment on va remettre? Mais déjà, Mikolele kaki to monaki relation na ye na Bertrand Bisimwa ezaki isu sou malamu te oyo Bertrand ba nayi ko reprocher pa nanga ke azopi sa ye ba ordre alors qu'il n'était pas son chef et nanga aussi de son côté disait que moi je suis envoyé spécial d'un groupe de personnes qui soutient les projets de la balkanisation et des exploitations yaba minerai à République démocratique du Congo pour la rukende kote kayango ko appuyer M. Kagame. Moi c'est moi qui dirige. Et malheureusement, et benda ki mo makelele. Est-ce que ba makelele wana nde balobe ke bo to beta e masas e ko simbate to éliminer ceux qui n'avoir mo ko simbate to enlever ko simbate to sala nini peut-être to le kananzela ya poison. Et si aujourd'hui qu'on est nanga santé na ye e ko zala exposé et a ko zala empoisonné, moi je crois que ye moko aza responsable ya biloko wana. Alors merci beaucoup, nous chitons déjà, nous sommes arrivés à la fin. Et vraiment, aussi, et oui. Aussi, excusez-moi, environnement Wana, ils ont environnement, ils au fait, est dominé par les Rwandais. Ils ont environnement, ils ont dominé par M. Kagame. Est-ce que Kagame peut, à quoi vous êtes responsable, à quoi vous êtes à quoi vous êtes peut-être qu'avec ce monsieur, il risque d'emboîter les pas à Mouzé, ou ils ont l'air que, tu peux gagner Bitumba, tu restes à Bisso, et Mouzé à Balouké Bisso. Est-ce que vous êtes à Bisso, à quoi vous êtes? Donc, M. Corneille Nanga, Oyazali Kulutu Nangai, je pense que ezana nzete moko boy oyazaka na Équateur. Bon, na ebité biso pe mikolo avion pe na budjala ezakate ndembe to tindeli ata moi matitie nzete ya mbizo alia soki moi nzete ya mbizo wana ezali akoyo ko lia ngo ekoyo ko sungaye na poison. Mais malheureusement moi ya kosala ngo ezate parce que na minute oyo avion ya kokenda ti budjala ya kokenda village natal nangai bazulaye ki senti poison ezate. Et donc kona enanga aza responsable. Il y a acte naïe à Pozaki. Les conséquences sont là. Donc, à l'oukandengenini, à quoi qu'on a solution. Mais Bissot, dans le niveau, il y a IDPS, tous allés pour soutenir le chef de l'État,
na combat na ye o yazali ya koluka moyen ya ko restaurer kimia ya ko silisa ba hostilité o yazali na niveau alors, ya est ya mboka na biso marabobo là nous allons finir avec ça wana repeso ka minute moko bien mi balé aussi lisana yango après nous allons finir avec la vidéo au bande kobele baza kozela. Si c'est bon avec la réalisation là où se trouve Pierrot Tshibangu Ndoyi à général John Tshibangu Chama Sanka bonsoir bamoso aneba jelo ndeba santu apesinga déjà nzelana banda koloba elongo na Max KBC. Alors nous sommes là RDC Boussa victime des attaques de ses détracteurs pour sa reconduction au gouvernement et à la tête du ministère transversal capable de booster l'économie du pays. En quoi Boussa s'est rebellé contre Tshisekedi? Cette raison est très colérique et injustifiée de ses ennemis au niveau national et au niveau de sa province. Écrit par Yves Bouya. Alors, aujourd'hui, de Okindeko Yves Bouya Lobby, Bino Bandeko à province, il y a Jean-Lucien Boussa, Batoua Union Sacrée, Cohabitation Zalité, Union au sein de votre plateforme et regroupement politique Ezate, vous tirez sur tout le monde et vous mettez Tshisekedi comme un ange, comme un saint. Qu'est-ce que Boussa a fait? Qu'est-ce que Boussa a dit pour que les lobos se désolidarisent dans Boussa? Que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national, Boussa aujourd'hui a tombé le ministère. Il y a commerce extérieur Ndengende Konanga journaliste Yves Bouya Lobby. Alobi lelo mosala na ye kitoko ako sala. Yangonde PCM mbano ako mati lelo ministre ya portefeuille. Alors pourquoi attaquer à tout moment Boussa? Qu'est-ce qu'il a réellement fait? D'abord, je tiens d'abord à rectifier certain nombre de choses. Ici, nous n'avons rien à voir avec la tête des gens de ces Boussa. Nous n'avons rien à voir avec la personne physique, voire spirituelle, voire morale de Jean-Lucien Boussa. Ici, nous faisons face à une menace aux alliés scientifiques. Je crois que à terre nyonso aux alliés scientifiques, à côté de Kanakati, il y a pensée à l'ikambo. Personne n'a le monopole, il y a science et puis il y a connaissance à Zate. À propos de Jean-Lucien Boussa, tant qu'on va organiser conférence dans Inikin, il y avait Vital Kamerhe, il y avait Augustin Matatampogno encore fort, qui était l'opposant et qui est jusqu'à aujourd'hui l'opposant. C'est lui qui d'ailleurs, on a tenu ma propos, on allait comprendre parce que Azana casquette, il y a opposant. Vital Kamerhe, il a aussi à émettre ses points de vue. Mais pourquoi Kaka, ma propos, il y a Jean-Lucien Boussa, il y a un propos, Mbo cannabis to za na problème ya leadership depuis indépendance na biso ti lelo to za na leadership ni visionnaire ni gestionnaire ni stratège ou ko permettre que to kende to za développement ya croissance économique parce que to zimoto ya malonga au sommet de l'état azate ozui kasavubu ozui comment il s'appelle Mobutu fois Tshisekedi n'en parlons même pas. Il a ignoré Biloko Wana Nyonso. Alors, Bissou va combattre à IDPS. Ici, je vais mettre de côté la population de la province de Sidoubani. Le peuple de Boudjala, ils ne sont ni de près ni de loin. Ici, c'est un problème de combattants de l'IDPS. Oyo Bazali va membre à l'Union sacrée de la nation. Naba allié na Bissou. Tolobie que va propos à Jean-Lucien Boussa, et salut le coup la coup d'État ou babengaka scientifique. Contre la gestion de la République démocratique du Congo, au Ezali, au Salama, à travers le président de la République. Etienne Tshisekedi Azala qui n'a vision, au Salaké, tant qu'il y a un côté de la démocratie, l'élo Oyo, qui est dans Jean-Lucien Boussa, à sali parti politique, naé et tout ça qui a avancé. Est-ce que Jean-Lucien Boussa va proposer à tenir en haut, tant que tout le côté accord, il y a Eden Koudjote pour l'année. Parce que Zaki ministre, il y a plan. Ayeko comme ministre ya commerce extérieur. To yena FCC cash. Ba tu ya FCC bazaki na nona niveau ya gestion ya mboka. Pourquoi tena ki ba propos ya beauté? Ça veut dire que tant otoko comme la 2027, Jean-Lucien Azali na ambition ezali démesuré, o ya zoko luka. Soit
yes à la candidat, soit caméras à la candidat, bah qu'un des côtés les mais la dauphine a tissé qui dit. Y a moins les leurs, babani déjà anti campagne. Bazan a passé un regroupement politique n'a pas omis. Ah mais yo tali déjà deux grands leaders, n'a qu'à tirer regroupement politique membre de l'Union sacrée, bah qu'ils coussent la conférence où ils allient, n'a thème n'a gros thématique n'a gros le problématique du développement de la République démocratique du Congo à base de son économie. Ça veut dire que les lots oyo ils a déjà signaux fort oyo Jean Lucien a banni déjà Kobeta tant que comme en 2027 akoloba le pays a un problème de leadership na loba qui ango déjà nanini na mois de juillet na conférence et Kamere ako s'appuyer ne loko wana les étudiants sont tout à fait d'accord, nous avons un problème de leadership, Tshisekedi n'a pas pu bien gérer le pays et Sengeli naye akokanini koti a bâton pembeni biso to zo bokonto kene yango biso to sala ki déclaration ba représentant ya Abuja la to sala déclaration to lobi na Jean Lucien Boussa a retiré kaka ba propos et ça il logo ya gravité il peut passer soit na émission soit na radio moko ba lobi mon propos. Vous gagnez quoi ce qui a retiré propos? Nous gagnons quoi? Nous gagnons la confiance de la population. Nous gagnons la confiance des combattants. Nous gagnons la confiance même. Il y a crédibilité dans la barona, loyauté, caméra, le baquet qui est vis-à-vis du chef de l'État. Très bien. Alors, merci beaucoup, Péro Chibangou. On finit avec cette déclaration réalisée par Mara Bobola, qui est le combattant de l'IDPS. A signé Marambou Bélé dans cette vidéo. On finit avec ça et à la prochaine. Viva! Kakoloub en cycle, en date du 3 juillet 2024. Les caucus des combattants de l'IDPS de Bidjala, Kakoloub en cycle, ici représenté par son président national Mara Bobola, préoccupé et inquiété par la campagne de déstabilisation et de diabolisation du régime de Tshisekedi par les propos de Jean-Lucien Boussa lors d'une conférence tenue à l'université de Kinshasa en déclarant ce qui suit. Le pays manque une bonne qualité de leadership visionnaire, pas de leadership gestionnaire et pas de leadership stratège. Voilà pourquoi le pays fait sa marche en reculant depuis 1960 jusqu'à nos jours. Après avoir accordé 48 heures lors d'une émission à Kinshasa, Mara Bobola et ses combattant accorde à Jean-Lucien Boussa 48 heures de retirer ses propos, déclarant ce qui suit. Bien parlé. Kakoloub constate avec inquiétude l'hypocrisie et l'ingratitude de M. Jean-Lucien Boussa vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pourtant ce dernier bénéficie de ses ordonnances présidentielles plus de trois fois comme ministre dans ce pays. Très bien. 2. Kakoloub regrette qu'après plus de trois décennies et demie et que grâce au combat et la vision de Tshisekedi Tshisekedi Wamulumba ainsi que les 13 parlementaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous avons un État démocratique où il y a un État de droit. Jean-Lucien Boussa se donne le luxe de critiquer sans crainte ni réserve le leadership du pays depuis 1960 où les sphères de liberté, les charismatiques Étienne Tshisekedi Wamulumba fit gestionnaire à tous les niveaux sauf à la magistrature suprême. Ses propos constituent une insulte à la mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et contre sa lutte et tous les combattants de la démocratie. 3. Kakoloub dénonce une cabale réfléchie, assidue et planifiée par certains leaders de Sirkois, de l'Union sacrée de la nation, vision chère du chef de l'État, pour faire du chantage au chef de l'État à travers un regroupement politique machiavélique. 4. Kakoloub condamne avec impériosité les propos tenus par arrogance de M. Jean-Lucien Boussa. 5. Kakoloub réaffirme
son appartenance à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS en sigle, et apporte son soutien indéfectible au président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership courageux, visionnaire, qui transplante notre pays vers son développement économique réel. 6. Kakoloub demande au président de la République et à la première ministre Mama Judith Suminwa Tuluka de suspendre M. Jean-Lucien Boussa, actuel ministre du portefeuille, au Conseil des ministres jusqu'à ce qu'il retire ses propos machiavéliques qui crachent non seulement sur la mémoire de leader Maxime Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ayant une vision claire, stratège d'asseoir une démocratie vraie et émergentiste, mais aussi de son fils biologique et politique à la personne de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je dis Fatih, béton. Le 3 juillet 2024, la présidence du Cameroun, Mara Bobola, je vous remercie. Tangwe kokio yoyo.